Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le troisième épisode de cette saison 3 du jeu Tons, l'aventure suivie. Vous allez voir un épisode plein, j'ai énormément de choses à faire. Alors j'ai regardé un peu les vidéos de l'épisode 1 et 2, il faut savoir que j'ai fait plusieurs tournages d'affilée, histoire de prendre un peu d'avance, et je me suis aperçu d'une grosse erreur. Vous avez été sûrement très nombreux à me la signaler dans les commentaires de la vidéo. Problème, c'est que j'ai tourné les épisodes d'affilée, et du coup j'ai pas pu vous regarder vos commentaires. En attendant, je me suis aperçu moi-même de mon erreur. Je vais vous la montrer. À mon avis, vous avez rouspété dans les commentaires. Je vais vous la montrer. Ça se passe au niveau de ma nouvelle salle à manger. Voilà, ici, j'ai fait des barils en pensant que c'était des barils de nourriture et pas du tout. En fait, c'était des barils à merde. On voit à l'intérieur, il y a de la gelée, il y a de la pierre, il y a de la terre. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a même des têtes de gobelins. C'était pas du tout des barils de nourriture. Et oui, ça pose problème, effectivement, quand on veut le faire une cuisine ici. Enfin, une cuisine, une salle à manger. Du coup, dans cet épisode, on va faire pas mal de choses. Déjà, je vais poser les fameux bons barils, les barils de nourriture, puisque je m'étais planté et je risquais pas effectivement d'avoir de la bouffe dans cette cuisine, dans cette salle à manger. C'était pas du tout bien joué de ma part. Bon, on va laisser ça. Et ça fait une sorte de déchetterie. On va dire qu'une déchetterie à côté d'une salle à manger, pourquoi pas. Écoutez, chacun son style. Bon, mais on va pas se plaindre. C'est comme ça. Ils ont tout rangé. C'est ici. Je vais pas m'amuser à tout virer. Bon, allez, je remonte à la surface. Je vous montre un peu ce que l'on va faire aussi dans cet épisode. On va construire un quartier d'habitation ici, ça c'est prioritaire en vue d'accueillir de nouveaux villageois. Je crois que j'ai encore 6 places. J'ai regardé tout à l'heure le nombre de quartiers d'habitation libres. Il m'en reste 6, mais 6 ça suffit pas puisque je vise la centaine de villageois. Donc on va refaire un quartier d'habitation ici. On va aussi refaire ici tout un système d'approvisionnement de nourriture, que ce soit vache, poulet, cochon, poire. On va tout refaire en vue d'accueillir encore une fois beaucoup plus de villageois. Surtout que je m'aperçois que j'ai plus beaucoup de poires. Alors les pommes ça va encore. 84 c'est bon, mais les poires, vous voyez, c'est pas la gloire. Et du coup voilà, énormément de choses à faire dans cet épisode. Et c'est parti. Allez, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, on s'en occupe. On va aussi détruire les murs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on va détruire les murs. Alors je vais pas faire tout d'affilée parce que c'est pas très intéressant pour vous, ça n'est pas pour moi, croyez-moi, je m'amuse pas à détruire les murs comme ça. En plus vous voyez, à chaque fois que je détruis un mur, il y a un petit lag. Bon, ça reste parfaitement jouable, mais bon, en termes de gameplay, en termes de gameplay, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On va quand même les détruire de temps en temps. Je prendrai quelques secondes pour détruire tout ça. Vous voyez, pendant ce temps-là, ils s'occupent de labourer les champs. Du coup, c'est vachement bien optimisé. Tout le monde travaille, moi y compris. Voilà, donc on va refaire des fermes de poulets, de cochons, la totale, puisque vous le voyez, la nourriture c'est pas la gloire. Le poulet c'est pourri, hein, c'est catastrophique, j'en ai que 6, il m'en faudrait une bonne vingtaine. Alors c'est pareil, la viande de porc et la viande de vache, c'est pas du tout suffisant. Je vous parle même pas des champignons, il va falloir aussi que j'en refasse. Bref, il y a pas mal de boulot à faire. On va s'occuper des poires tout de suite, on va en faire deux. On va en faire deux. Ouais, on va en faire deux. Allez hop, c'est décidé. Deux poires. Deux poulaillers. Quatre étables. Hop. Hop. Et quatre porcheries. Toc. 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 Et toc. Voilà. Le blé, je pense que j'en ai suffisamment. Surtout qu'on voit que mes stocks... Ah non, je pensais que j'en avais un peu plus, tiens. Ouais, c'est pas terrible encore. Du coup, on va peut-être se refaire un peu de blé. Alors, j'avais regardé, est-ce que j'avais tout mis en on? Ouais, j'avais tout mis en on. Non, j'avais pas tout mis en on, voilà. Je crois que j'avais fait un petit tour tout à l'heure, juste avant le tournage, et je m'étais aperçu qu'il restait encore quelques trucs en off. Ce serait dommage, hein, quand on est en train de... Voilà, les poulaillers, mettre les poulaillers en off, c'est vraiment stupide. Hop, hop, voilà, je fais un petit tour. On va prendre notre temps, encore une fois, dans cette saison, faire les choses proprement. Ok, ça c'est parfait. Ici, tiens, ici il y a une zone, c'est bizarre que je n'ai pas placé de ferme. Ben voilà, erreur réparée. Allez, je retourne un peu à la destruction de murs. Non, pas ouvrir, détruire. Et vous voyez, du coup, la taille de ma civilisation augmente énormément. On est passé quand même à quelque chose d'assez grand. Ce sera nettement plus visible une fois que j'aurai fini de détruire ce mur. Vous allez voir. Hop. Et hop, vous voyez, ça s'agrandit considérablement. Là, il y a encore tout ce mur à détruire. Tout ce mur ici.
On s'en occupera d'ici quelques minutes. Alors, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Pourquoi la terre n'a pas été rangée? Je vous le demande. Ici, c'est rasé. Je vais juste regarder un truc. Je fais une petite pause. Hein, je reviens tout de suite. Ça devrait être instantané pour vous. Hop, voilà, je reviens. Excusez-moi, je voulais juste m'assurer d'un truc. Tout est parfait. Alors ici, on aperçoit une tonne de terre. C'est catastrophique. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'ils amènent tout ça là-dedans. Ça va sûrement leur demander pas mal de temps, mais c'est pas grave. On va pas leur laisser le temps de faire tout ça. On va leur donner encore plein de travail. Je suis un vrai tyran. Voilà, ici ça bosse bien, ça avance bien. On va leur faire tout de suite une demande de quartier d'habitation en vue d'accueillir de nouveaux villageois. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Allez, on va construire un tout nouveau quartier d'habitation. Je regarde mes stocks de pierres. Ouais, ça va. Bon, c'est pas la gloire, mais ça va. Ok, ça devrait supporter un quartier d'habitation. Au pire des cas, j'irai miner un peu. De toute façon, je crois qu'il y a encore de la pierre qui n'a pas été récoltée en bas. Si ma mémoire est bonne, voilà, ici ça n'a pas été totalement fait. Voilà, mes véritables barils à bouffe arrivent enfin. Tant mieux, c'était une erreur de taille, effectivement, que vous avez sûrement remarqué dans les épisodes. Allez, on y va. On va faire. Comment on va les faire les quartiers d'habitation? On va essayer de faire quelque chose d'assez serré, histoire d'optimiser un peu les emplacements. Alors, voyons voir ça. On va faire ça. Alors, ça fait. Hop, 1, 2, 3, un mur de pierre ici. 1, 2, 3, et du coup, ça va faire un mur de pierre ici. Voilà, on va faire des petites chambres. Voilà, comme ça, on va essayer de faire quelque chose de symétrique, histoire que ce soit propre. C'est quand même plus appréciable quand c'est bien fait. Hop, 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 hop. Voilà, un tout nouveau quartier d'habitation qui va apparaître sous vos yeux et qui va permettre à ma ville de s'agrandir tout simplement, hein, de voir encore plus de villageois apparaître. L'objectif, encore une fois, je ne le cache pas, c'est d'atteindre au moins les 100 villageois, pourquoi pas les 200 militaires. De toute façon, je sais pas à quoi m'attendre en dessous, mais vous avez été très nombreux à me dire que ça risque d'être assez difficile pour moi. Et du coup, je préfère prévoir la chose et descendre avec 100 à 200 militaires pour au moins faire un véritable massacre. Et pour ce faire, évidemment, j'ai besoin de place, j'ai besoin d'habitation, j'ai besoin de nouveaux villageois. Voilà, on refait 8 quartiers d'habitation, 8 places de village. 8 places de village, 8 places pour accueillir les villageois. Hop, on va mettre un peu de décoration à l'intérieur, histoire de leur donner envie de venir. On va leur mettre un petit lit en bois. Tiens, il va falloir que j'aille récolter du bois. Je me demande d'ailleurs si je vais en avoir assez. C'est possible que non. Et pour ce faire, on va tout de suite leur demander de couper du bois. Voilà, les pauvres, je les harcèle de travail. Alors j'ai un petit lag. Ça, c'est pas cool du tout. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai quand même un bon PC. Et de temps en temps, il y a des petits lags. Allez, allez bosser un peu les feignasses. On va leur mettre un peu de décoration aussi, hein. Voilà, de la déco. Une plante chez tout le monde, histoire de les faire venir. Ils seront contents. On va leur mettre aussi une table de chevet, il n'y a pas de raison. Voilà, la table de chevet, on la met là. Je vais sauvegarder. Je vais pas sauvegarder. Oula, il y a des bruits bizarres. Des monstres qui meurent. Je sais pas ce que c'est comme monstre, mais en tout cas ça fait un sale bruit. Hop! Oh là 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 là! Voilà, ok, parfait. Et du coup, il me restera de la place ici pour refaire encore un quartier d'habitation si besoin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Il y a vraiment des bruits étranges. Il y a vraiment des bruits étranges. On va reprendre un peu la destruction des murs. Et je me méfie, hein, que je détruise pas ma baraque. On dirait quelqu'un qui vomit, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait assez dégueu. Arrête. Alors, je détruis ça, je détruis ça. Hop, encore un mur ici. Voilà, comme ça tout le monde bosse. Les villageois, moi aussi je bosse. Et voilà, on libère l'accès. Ça fait nettement plus dégagé. Ici, on a tout notre système de nourriture qui n'a pas fini. Ici, on a encore de la place. On va agrandir tout ça.
On va tout prendre ici, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et ici, on va faire nos quartiers d'habitation. Mais arrêtez, quoi, c'est pas possible. Allez, pendant ce temps-là, les armures de fer se stockent. On voit que j'ai énormément d'armures en hobgoblinite. Ça, c'est très bien. J'ai même de la goblinite. J'ai de la spiderite. C'est parfait, c'est top. Alors, ça, c'est bon. Oh là 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 là. Ça fait bizarre quand même. Allez, 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 activez-vous un peu. Ce que je vais faire, je vais faire une petite pause. Et je vous retrouve quand le chantier a pas mal avancé. Parce que là, du coup, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et c'est pas forcément très intéressant. Il y a de la terre à ranger, il y a de la pierre à construire, des quartiers d'habitation à faire, un gros chantier. Et du coup, je vous retrouve d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de vous montrer un peu le résultat. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, je vous retrouve. Ça fait 20 minutes que je laisse tourner le jeu. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça fait 20 minutes et pourtant, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien foutu, quoi. Alors, pour vous, évidemment, la chose flagrante, instantanée sous vos yeux, c'est la construction du quartier d'habitation. Le problème, c'est qu'ils ont foutu que ça, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Pourtant, ils sont 48. Alors, c'est même plus 48, ils sont 52, puisque vous voyez, en l'espace de 20 minutes, j'ai eu 4 nouveaux immigrants, ce qui est très très bien, parce que ça fait des mains supplémentaires, ça fait 4 actes supplémentaires à chaque fois, puisque chaque villageois va pouvoir s'occuper d'une tâche, et ça c'est très très bien. Le problème, c'est que à part le quartier d'habitation, ils ont rien foutu, ils ont rien rangé en termes de terre. J'ai même l'impression qu'ils ont foutu encore plus le bordel. Vous allez voir, dans ma cuisine, dans ma salle à manger, j'ai pas souvenir que j'avais autant de pierres, quoi. Je sais pas d'où elle sort, cette pierre. C'est juste hallucinant, quoi, de voir autant de pierres. Bon, écoutez, on va dire qu'elle a toujours été là, mais j'ai plus l'impression qu'ils m'ont foutu encore plus de bordel que de rangement, finalement. Bon, écoutez, c'est pas très grave. L'important, c'est que mon quartier d'habitation est fini. En plus, j'ai gagné 4 nouveaux arrivants, et ça, c'est clairement positif en vue de se faire une armée digne de ce nom. Ce qu'on va faire, vous voyez, en bas, j'ai demandé à ce qu'ils extraient la totalité des aliments. La raison est simple, hein, je leur ai demandé ça pour qu'ils acheminent toute cette nourriture au sous-sol, là où il y en a vraiment besoin. Hop, allez, il en reste encore un, s'il te plaît. Quelqu'un va-t-il pouvoir le dégager? Ce qui serait bien, tiens, c'est de faire des raccourcis. On va faire des raccourcis. Toujours pareil, essayer d'optimiser au maximum le chemin. Allez, 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 sortez-le-moi, là, il en reste un truc à l'intérieur. Vous allez bien me le sortir, quand même. Voilà, parfait. Ah, je vous le dis, dans cette saison, ils sont chauds. On va se faire aussi un truc de champignons, tiens. Hop, on va se faire un truc de champignons supplémentaire, puisque j'en ai pas tant que ça, des champignons. Et c'est dommage, parce que c'est bon, déjà, les champignons, et très appréciable. Tiens, ça, j'aime pas du tout quand ça traîne comme ça. Voilà, énormément de nourriture. Regardez-moi ce stock de nourriture. Faut dire qu'ils ont un trajet considérable à faire. Ils ont aussi pas mal de chaises à ranger. Oh là 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 là. Là, il y a un peu de cuivre qui traîne ici. Voilà, ils doivent tout acheminer ici. On va d'ailleurs, hop, détruire ça. Détruire ça. Pour refaire les bons barils de nourriture. Toc, 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 toc. Voilà, parfait. Et du coup, vous l'avez vu dans l'épisode 2, hein, le fait d'avoir construit une cuisine ici, enfin une salle à manger, c'est vraiment très appréciable. Alors, pourquoi ça? Tu peux pas le prendre, ça? D-rate, D-rate, D-rate. Est-ce que j'ai un coffre pour stocker ceci? Alors non. Spiderite, goblinite. Ah oui, c'est pour ça, j'ai pas... Eh bien écoutez, on va en construire, c'est pas grave, c'est pas du tout un problème ça. On va en mettre deux, tiens. Deux coffres spéciaux pour les matériaux très très précieux. Il risque d'en y avoir de plus en plus, puisque le niveau... auquel je vais me mesurer dans les prochains épisodes, ce sont des loups-garous qui donnent des matériaux précieux. Et du coup, comme il n'y a pratiquement que de ça en dessous, je vais pouvoir en collecter pas mal. Allez, ce qui serait bien, c'est que les coffres arrivent. Alors c'est bien, 52. 52, mais vous voyez, pourtant, malgré 52 villageois, j'ai l'impression que ça avance pas des masses. Faut dire que je leur donne tellement de tâches à accomplir en même temps. Voilà, il y en a un qui arrive, c'est parfait. Désactiver tout sauf... Alors on va mettre les trucs de la mort qui tue. Donc la zombite, sneakerite. Tiens, les sneakers c'est très bon, on va les activer. L'ogre c'est pareil, on active. Et là direct, il y a même la burnite, quoi. N'importe quoi, la burnite, quoi. Mais quelle idée de mettre un nom pareil. Allez, on active la burnite, même si je suis pas prêt d'en avoir.
La dirite. Goulite. Oh, goulite, tiens, on va l'activer aussi, goulite. Je suis pas prêt d'en avoir aussi, mais pourquoi pas. L'ogre, on active. Non, pas Spiderite. Spiderite, faut que je désactive quand même. Et Zombite, voilà. Décidément, ils aiment bien tout ce qui se finit en hit. En attendant, mon stock d'armure s'est considérablement refait. Et ça, c'est clairement une bonne nouvelle. Puisque quand je vais vouloir refaire des militaires, j'aurai pas à attendre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armures déjà prêtes pour 10 soldats supplémentaires. Ma cuisine, c'est un bordel, pas possible. Alors, on en est où dans la nourriture? Quand même surveiller ça, hein. Ok, vous apercevez que le blé a considérablement augmenté, ce qui veut dire que mon travail ici a bien payé. La poire, c'est pareil, j'étais à zéro et vous voyez, ça augmente. Les tartes à la poire, ça augmente aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tarte aux pommes, c'est très bien. Regardez ça, les stocks de porc et de vaches ont considérablement augmenté puisque j'ai demandé 10 et je suis pratiquement à fond. Ça, c'est pareil. Et le poulet, c'est pareil. J'en ai demandé 10 et 10 et je suis à fond. Le pain a descendu un peu. Mais clairement, mon système de nourriture est super efficace. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que du coup, ça veut dire que dans les prochains épisodes, je vais pouvoir encore considérablement m'agrandir. Objectif du prochain épisode, ce que je vais faire, déjà, je vais sauvegarder. Objectif du prochain épisode, je vais essayer de laisser tourner le jeu pendant une heure. Histoire de vous passer toutes ces séquences pas forcément très agréables pour tout le monde, où vous voyez, ils vont devoir ranger toute cette pierre, ranger, non, ranger toute cette terre, ranger toute cette pierre dans la décharge. Ça va pas forcément être hyper top à regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a plus rien? C'est complètement vide là-dedans. Pourtant, il y a de quoi stocker la pierre. Non, stopper la terre, pardon. Décidément, je vais y arriver. Dans le prochain épisode, dans l'épisode 4, quand vous me retrouverez, j'aurai laissé tourner le jeu pendant une heure. Et du coup, ça risque d'avoir considérablement augmenté mon nombre de villageois. Et on va peut-être pouvoir commencer à faire une armée digne de ce nom. L'idéal, ce serait de monter à 80 villageois pour faire 80 militaires, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je sais pas, on verra bien. J'aimerais bien atteindre la centaine. Mais bon, je suis pas sûr du temps que ça va prendre pour arriver à 100 villageois. Au pire des cas, encore une fois, je vous couperai les séquences. Mais l'objectif visé, c'est clairement 100 soldats. Vous imaginez si j'arrive à 100 militaires et que je les lâche là-dedans, le massacre que ça va faire, quoi. 100 militaires, ce serait énorme. Alors le problème que je rencontre, c'est que ce sont d'immenses galeries et qu'il n'y a pas de possibilité de poser des portes comme je le faisais dans les épisodes précédents. Et du coup, ils vont tous être lâchés d'un seul coup là-dedans, ça risque de faire un massacre. Alors ici, je peux poser une porte à la limite. On verra bien, on n'y est pas encore, mais je pense que je vais viser les 100 soldats. Alors 100 soldats, ça va être terrible. Ça va être génial. Alors, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Ici, on a la place pour construire un quartier d'habitation. Ça va être l'objectif aussi du prochain épisode, refaire encore des quartiers d'habitation, puisqu'on voit que mon système de nourriture est suffisamment au point pour accueillir de nouveaux civils. Ça c'est bon. Oh là là là, il va falloir que je pense très sérieusement à agrandir ma cuisine. Ça, c'est pas du tout plein, donc c'est bon. On en est où là-dedans? Oh, regardez ça! Oh, bah la vache, ça fait plaisir, ça. Ils ont rangé toute la nourriture. On va descendre dans la salle à manger pour voir si ça a bien été fait. Voilà, parfait. Oh, ils ont même rangé la pierre. Ah, ça y est, ça commence à bosser, là. Alors là, on va être copains. Là, ça commence à bosser sérieusement. Ok, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Ah ouais, là, c'est top, là. Vous voyez, ils amènent la pierre jusqu'ici. Alors, j'ai fait une déchetterie, hein, sans le vouloir, mais bon, pas grave, on va pas la détruire, elle est très bien ici. Et du coup, ça a bien avancé. Alors, il manquerait plus que ce tas de terre. Et j'ai même l'impression, regardez ça. Ah non, j'avais cru espérer qu'ils se mettent à prendre la terre, mais non, pas du tout. Enfin bon, c'est pas très grave. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe pour l'instant au niveau de ma civilisation. Je m'aperçois que c'est fou de voir à quel point la forêt a pris le pas sur la carte, quoi. C'est l'invasion. Très impressionnant. Je m'amuserai pas à déboiser tout ça. Il y en aurait pour des heures. Ça, c'est bon. On aperçoit encore des armures en fer ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran.
Encore une fois, je vous conseille de regarder ces vidéos en plein écran. Elles sont toutes disponibles en HD d'ailleurs. Vous pouvez activer l'option HD plein écran. Et du coup, ce sera nettement plus appréciable pour tout le monde. Sauf si vous êtes tranquille chez vous en train de regarder ça sur votre iPhone avec vos écouteurs dans le plumard. Effectivement, ça risque d'être plus dur de l'afficher en plein écran. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on s'aperçoit que malgré 52 villageois, ils ont encore tellement de choses à faire qu'ils ne prennent pas le temps de prendre les armures et de les ranger dans les cases correspondantes. Et pourtant, j'avais fait les choses bien. Une case spéciale armure en fer, spéciale spiderite, goblinite, hobgoblinite, tout était classé par matériaux. Mais rien n'y fait, ils n'ont pas le temps, ils bossent comme des acharnés. Ouh là 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 là, regardez ça. Ils sont en train de ranger la terre. Alors là, c'est la gloire, quoi. Quand on voit les civils qui commencent à ranger la terre, c'est qu'on touche au but. En termes d'ordre, oh oui, vous allez où? Ah oui, ils vont à la décharge. Oh, c'est super, ils vont à la décharge. Allez, c'est parfait. Ça avance très très bien cette saison. Bon, écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va se retrouver dans 2 jours. Je vais laisser tourner le jeu à fond, à fond, à fond. On va se retrouver sûrement avec au moins, je l'espère, 70 civils. Ce qu'on fera, on construira de nouveaux quartiers d'habitation. On agrandira encore notre système de nourriture. On essaiera de faire en sorte d'optimiser un peu tout ça pour accueillir une bonne centaine de civils, faire 100 militaires et passer à notre première offensive. On verra bien si ça suffit 100 militaires, je l'espère. Et tout ça, vous le découvrirez dans 2 jours dans le prochain épisode. Allez, à la prochaine, salut à tous.